mois. Le président vous offre un beau bateau en bois qui vous donnera du coffre pour tous les sans-travail qui encombrent nos rues. Je fournis la bataille et tous les trous de je vous prépare un retour à la terre en faisant tout pour que ce soit la guerre. Vous pourrirez dans la grève des cimetières. Tous les cons diront que c'est la dernière. Pour nous tous les survivants, je promets un boulot, un job vraiment marrant. Vos soyeurs de héros, vous creuserez des fosses pour y mettre vos copains. Vous sentez l'air beau rose en allant au tir. Je vous prépare un retour à la terre en faisant tout pour que ce soit la guerre. Vous pourrirez dans la flèche des cimetières. Tous les cons diront que c'est la dernière. Après une bonne pagaille, où meurent les bons à rien, je jette les médailles comme les oies des chiens. Le peuple ferme sa gueule pendant 50 années et prépare son linceul pour la prochaine raclée. Je vous prépare un retour à la terre en faisant tout pour que ce soit la guerre. Et tous les cons diront, je vous prépare un retour à la terre en faisant tout pour que ce soit la terre. Vous mourirez dans la grève des cimetières. Tous les cons diront que c'est la dernière. Tous les cons diront que c'est la dernière. Tous les cons diront que c'est la dernière. Merci à vous. Merci à vous d'être venus ce soir. Ok, c'est la dernière. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'était en 80 la devise de tous les pays qui avaient l'arme nucléaire. Tu vois ? Si tu m'emmerdes, je te balance une bombe. Jusque-là, tout est logique, sauf qu'on a le cul assis sur de quoi faire exploser la planète 10 fois, quoi. Là, c'est plus des petits Hiroshima, c'est... Il n'y a plus rien, quoi, on explose, quoi. Et moi c'était un truc qui me percutait, quoi. Je me disais, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Après le parabellum, il y a le gun qui arrive logiquement dans le truc. Puis voilà, et le Panem Kirkenses et Rock'n'Roll, c'est une autre devise de Rome, c'est du pain et des jeux. Panem et Kirkenses. C'était pour que le bon peuple ferme sa gueule et qu'il ne te fasse pas des révolutions à tour de bras. Tu lui files du pain et des jeux. Cambouis a ramené Sven aussi, pareil, je connais un gratteur, il est pas mal et tout, puis hop, qui se voit arriver, mon Sven, ça fait juste 20 ans qu'on est ensemble. Là. Qu'est-ce que tu nous racontes de vous? T'as bien dormi? Ouais, je reviens à la normalité, comme je disais à mes copains. Ça fait hyper plaisir. Parce que je viens de passer 2-3 nuits là où j'en ai chié un maximum, donc là ça... Tu t'es reposé? Oh, c'est très très agréable. We'll be right back.
j'ai foutu de ma vie. Porte la voile jusqu'à hier. Toujours plongé dans le bruit. Les yeux me noyés dans la bière. Aujourd'hui j'achète mes tonnes. J'achète une buissonnière. J'en fais le bon, je serre les gencives. Heureux j'en mange et en laisse. Cette fois je ferme ma gueule, c'est promis. On ne me jettera plus la pierre. Je ferai des chansons polies, taillées dans le sens des affaires. Et voilà que les chiennes de ma rue s'arrachent mes caresses. Un souris, je n'ai pas plus. Heureux j'en mange et en laisse. Je veux la bête, comme une bête, comme une bête. J'impressionne et j'éblouis, même si j'ai des bleus aux fesses. Fais-moi ma Johnny Johnny, quand je marche en laisse. Olivia, la première fois que vous êtes venu jouer ici? C'était pas ici, ici c'est la première fois, mais au Bikini... C'est une salle qui a explosé avec AZF et Hervé, là, le bonhomme qui organise ici, entre autres. Et, bah, il a monté ça avec, il a dû démarrer avec deux tonneaux et une planche, quoi. Bien avant le punk, il faisait déjà passer des Dr. Feelgood, des Inmates, des... Mais ouais, c'était bien, c'est une putain de bonne salle. T'es déjà en retard. N'oublie pas d'embrasser les enfants. Sur la route, y'a tant d'accidents. Chacun sa routine, tous dans la combine. Dans l'oxyde de carbone, les rêves sont volés. Pour l'espoir, y'a même plus la place. La secrétaire du guichet en face. J'aimerais bien lui briser la glace. Clic au téléphone, restaurant. Des arrêts régulières seraient au courant. Chacun sa routine, tous dans la combine. Dans l'oxyde de carbone, les rêves sont volés. Pour l'espoir, y'a même plus la place. Fais la quoi. Toi en sortant de l'école, quand ton miroir s'ardurera